Je m'appelle Sylvie, j'ai 44 ans, je suis coiffeuse à domicile et j'habite dans un petit village dans les Hauts-de-France. J'ai démarré le programme le 30 janvier et j'ai perdu 21 kilos en 7 mois. J'ai décidé de maigrir parce que j'étais quand même arrivée à un IMC qui n'était pas très bon. Je ne me sentais plus bien dans ma peau. Et avec mon métier, je sentais que ça commençait à peser sur mes jambes et mon dos. J'ai découvert le programme de Jean-Michel Cohen et franchement, je trouve que c'est un programme où c'est très facile à suivre parce que on mange des aliments de tous les jours. Il y a de très bonnes recettes si on a des fois aussi un manque d'idées, de savoir pour cuisiner. Quand on a la motivation et qu'on voit de semaine en semaine que le poids sur la balance diminue, eh bien ça motive encore plus. J'ai vu mon corps changer aussi, donc ma silhouette qui se redessine, je reprends du muscle. Et puis aller faire les boutiques quand on a perdu du poids, ben c'est beaucoup plus sympa. On trouve quand même des choses plus sympathiques. Déjà avec le programme, je me suis sentie très à l'aise dans le programme parce que c'était des recettes qui me convenaient très bien. Et c'est vrai que j'ai perdu du poids très rapidement et les mensurations aussi qui ont changé très vite. Et je me suis sentie déjà beaucoup mieux dans ma peau, et aussi bien moralement que physiquement. C'est vrai qu'avec la diététicienne, le fait d'avoir quelqu'un qui est derrière, qui vous ressente quand vous faites quelques écarts, et qui sait vous dire, ben voilà, vous pouvez quand même manger ça, mais il faut rattraper, parce que sinon la perte de poids ne va pas être engagée de la même façon. C'est un vrai soutien et c'est vrai que le contact est passé directement très bien avec la diététicienne. Ah bah bien sûr que j'ai fait quelques écarts parce qu'on a quand même une vie, on a des amis, on a la famille, j'ai eu des mariages, j'ai eu des anniversaires, donc non, j'ai su très bien gérer tout ça. Et c'est vrai que le lendemain, et ben, même si on avait fait un écart, et ben, le lendemain, on rattrapait avec soit la galette de rattrapage, ou alors moi j'aime beaucoup les légumes, donc je me faisais une bonne soupe de légumes et puis du fromage blanc. Pour les webinaires, c'est vrai que j'aime bien y participer parce que même quand on n'a pas de questions à poser, parce que quand ça fait déjà quelques semaines qu'on est dans le programme, on arrive à trouver le juste milieu. Donc même quand on n'a pas de questions à poser, c'est toujours intéressant, c'est instructif parce que les questions des autres peuvent aussi nous apporter des solutions ou des petits constats. Et les webinaires, pour moi, c'est un petit rendez-vous très très sympathique. C'est vrai que l'amaigrissement m'a apporté plus de confiance en moi. Je vais plus vers les gens. Bon, pourtant, j'ai déjà un travail où je suis déjà très en contact avec une clientèle. Mais je suis beaucoup plus confiante dans mon travail. Je me suis mise au sport parce que je me suis acheté un vélo d'appartement parce que dans le Nord, il fait pas toujours beau. Donc au moins, c'est un bon moyen de me dire, voilà, le vélo est à la maison, tu n'as pas à ressortir. Tu peux aller faire 45 minutes de vélo tranquillement. Ah oui, en effet, ça me rappelle quelques souvenirs. Donc c'était au départ de mon programme. J'avais quand même déjà perdu quelques kilos, mais j'étais en plein programme en fait. J'avais déjà perdu quelques kilos et je me suis dit, ben, on voit déjà la différence et ben, il faut continuer parce que franchement, il y a encore du boulot. Et puis, ben, quand je vois ma silhouette au jour d'aujourd'hui, ben, je me dis que j'ai bien fait de continuer et de garder cette motivation pour en arriver là aujourd'hui. Au niveau de mes enfants et de mon concubin, tout le monde m'a dit dès le départ, maman, c'est bien, on voit déjà que tu changes. Donc c'est vrai que tout le monde est content et tout le monde profite du programme. Au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment très fière de moi d'avoir atteint l'objectif que je m'étais fixé. Je suis même un petit peu en dessous de mon objectif. Donc franchement, oui, je me dis qu'aujourd'hui, je peux vraiment être que très fière de moi.